Hey, salut à tous les amis, c'est David Lavarge Persona. Aujourd'hui on va ouvrir des boosters de cartes Persona. Alors on va commencer par le deck full et les boosters full. J'espère tomber sur un Izanagi en version rare ou en version chromatique. On verra bien, donc on va tout de suite commencer, je vais tout de suite fermer ma gueule et on va tout de suite jouer à Persona 5 Striker surtout. Donc j'espère que vous allez bien et je sais plus ce qu'on devait faire. Juste s'infiltrer je crois et faire la bagarre, hein, non? Je crois que c'était ça, hein. Je crois que c'était ça. Ouais, c'est parti. Ok, gambaro. Donc je reviens sur le fait que les vidéos sont disponibles en 2K et en 4K, alors n'hésitez pas à utiliser cette qualité-là, parce que ça augmente bien le bitrate des vidéos, donc en conséquence ça augmente bien la qualité des vidéos, il n'y a pas besoin d'écran 4K, je vous rassure. N'importe quel écran peut le faire, à part a priori les écrans de téléphone, parce que YouTube sur téléphone, bah c'est. Ouais, c'est comme Discord sur téléphone, c'est bizarre. Et je sais plus, on met des points de contrôle particuliers, non? Il fallait aller quelque part. Ah oui, il fallait continuer là-bas, exact. Hein. Ça c'est le début, non? Bah oui. Bah c'est ça à l'enfer en fait, on s'en fout, allez go, les deux autres. Ah la bagarre, ça fait tellement longtemps. Par contre, ce qui me casse les couilles, c'est celui-là, je peux toujours pas le faire d'embuscade sur lui, quoi. Ouais, est-ce que ça vaut le coup, nouveau, de tuer tout le monde? Bon, je ne sais pas. Bah, tiens, prends ça, c'est cadeau. Wakalimashita! Aïe! C'est le bordel, on comprend déjà plus rien. Je tape à zéro. Je tape à zéro. Oui, mais vous savez, moi j'adore Persona parce que j'adore les RPG tour par tour comme Persona 5 Striker. C'est un très bon RPG tour par tour, hein, évidemment. Allez, tiens, c'est cadeau. Y'a rien pour nettoyer ça là en deux secondes. Parce que, hop, c'est cadeau ça. Encore. Mais non, mais n'importe quoi. Ah, c'est cadeau ça. Bah alors on est déjà mort. Alors on est nul. Le chef de Ryuji. Elle a pas de l'autre attaque. Ah si. Si, bah si, évidemment. Encore, allez là. Parce que pour l'instant, c'est pas un peu trop facile. Peut-être. Attendez. Est-ce que niveau, justement, on est bien. Sophia niveau 13. Aïe. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de passer niveau 16 déjà. Et Sophia, bah, on va se démerder. On va essayer de la passer. On va essayer de la passer 16 à un moment aussi, quoi. Ah, ça, c'est de la bonne musique. Bon, les autres sont bien aussi, hein. On va dire que c'est récent. Bonjour, au revoir. Peut-être qu'un jour, si je suis motivé, je vous ferai jouer des cœurs, pas des pizzas, pendant Persona 5 Striker. J'ai pas dit que je voulais explorer Arsène, si. Allez, nous, on explose des voitures parce qu'on est des racailles. On change les voleurs fantômes. Du
du skate, ils explosent des voitures. Ouais, c'est un peu des punks américains, quoi, tu vois. Ils vont aller se poser sur des escaliers, ils vont écouter Sum 41, Blink, The Offspring, tout ça, quoi, tranquille. C'est bon, j'ai eu très mal, là. Attendez, vous savez quoi? On va faire Tadunda pour tout le monde, c'est cadeau. Voilà. Ensuite, on va les endormir. Et après, bim. Et s'ils dorment toujours, on va faire un petit dégât technique. Voilà. Ah, ils sont plus là, ils sont morts. On va les endormir. Oh, 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 oh. Alors, vous jouez, enfin pour ceux qui regardent et qui ne jouent pas du coup, vous dites c'est bordélique, ça doit être très compliqué à comprendre ce qui se passe quand on joue. Bah écoutez, oui. Des fois c'est tellement bordélique que je comprends plus ce qui se passe. C'est un peu comme, c'est un peu comme Smash Bros des fois, quoi. Ça part un peu en couille. Ouh, ça va faire mal ça. T'es pas mort toi, vous êtes pas mort espèce de connard. Je crois que niveau bagarre, là on est... Hop 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 hop. J'ai vraiment des problèmes pour viser. Alors je sais que je suis pas très fort en FPS, mais faut pas déconner non plus quoi. Attendez, plus simple c'est de faire ça. Voilà, on va faire l'idiot. Oh! Allez, reach out to the truth! D'ailleurs, vu qu'on joue à Persona, j'en profite, qu'on est sur Persona 4, là, en niveau musique. Est-ce que le let's play de Persona 4 vous plaît toujours autant, hein? N'hésitez pas à commenter, dire si c'est... Si ça vous a plu, s'il y a effectivement des choses qui vous plaît pas trop et qu'il faudra améliorer, je suis tout de suite. Parce qu'en fait, finalement, c'est vrai que je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais depuis que le jeu est en français, grâce au patch, je prends aussi beaucoup plus de plaisir de mon côté à y jouer en fait. Ça, c'est. On va pas se mentir. Même si c'est un jeu que j'ai fait vraiment plein de fois. Quoi. Mais voilà, je tape des bonnes barres quand même encore et la traduction est vraiment. Très fidèle, enfin respecte vraiment les personnages quoi, eux-mêmes, quoi, leur façon de parler, tout ça, donc c'est vraiment cool. J'espère que ça vous plaît autant. Et évidemment, à terme, ce qu'on va faire, c'est qu'une fois que Persona 4 sera terminé, et que Persona 5 Striker sera terminé aussi, la logique des choses, ça aurait été de faire Persona 4 Dancing, du coup, vu qu'on avait fait le Persona 5 Dancing. Le problème, c'est que je n'ai plus de PS4. Parce que je l'avais revendu, parce que j'y jouais plus, hein, on va être honnête. Et je l'ai revendu à Micromania pour l'offre de reprise à 250€, alors que je l'avais acheté 250€. Donc voilà, j'ai pas trop réfléchi, j'ai foncé. Pour éventuellement une PS5 le jour où elles seront disponibles, c'est-à-dire dans 45 ans. Donc en attendant, pas de Persona 4 Dancing, hein, faudra attendre un tout petit peu. Donc pareil, on peut pas faire Persona 4 Arena. Parce que le problème... Aïe, il m'a tapé. Le problème d'Arena, c'est que... Il y a du spoil P3 dedans. Donc à ce moment-là, il faudrait le faire que on a fini P3 aussi. Et... Commencer un LP de P3, c'est pas que je veux pas, hein, mais commencer un LP de P3 et finir P3, y compris The Answer, donc le scénario en plus de FES. Alors, autant dire qu'il y aura peut-être quoi, 300 épisodes peut-être sur Let's Play, tu vois. Donc ouais, c'est ça risque d'être un peu compliqué. Après évidemment, s'il y a que P3 à faire sur la chaîne, on fera P3. Hein. Enfin, évidemment plus simple s'il n'y a que ça à faire. Quoi. C'est quand même un très grand plaisir d'y jouer sur PC quand même, la Persona 5 Striker.
Pour avoir rincé la version démo sur Switch. Alors que bon, c'est pas de sa faute, hein, c'est la Switch quoi. C'est pas non plus. C'est une superbe console pour son côté portable et pour tous ces putains de jeux, parce qu'elle a un catalogue de folie, mais c'est vrai qu'en termes de puissance. Voilà, pas à tout demander non plus. Mais le jeu tourne relativement bien, il s'accade pas. Voilà, c'est pas Hyrule Warrior, il est tout en 30 FPS, c'est bien. Et pour avoir rincé le jeu en version japonaise sur PS4 Pro, où j'ai vraiment kiffé, sur PC, il y a quand même une énorme différence. Donc si vous pouvez jouer sur PC, jouez sur PC, franchement, c'est juste un kiff, quoi. Alors, donc, je vois, c'est donc cela, la pluie. Et s'est mis à pleuvoir tout d'un coup, c'est peut-être l'endroit que nous cherchons. Oui, ça m'a tout l'air d'une terre battue par la pluie. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait un orbe à trouver ici. Ouais. Ok, attendez, je prends juste mon café. Voilà, bon, ok. Je parle un peu trop, là, en fait. Il y a juste ça ici. D'accord. Waouh, il y a un petit côté Castlevania. C'est carrément louche là, vous croyez que c'est notre cible hein? Peut-être un piège, mais on n'a pas le choix. Surtout restez bien sur vos gardes. Je sens quelque chose qui ressemble à un trésor. Ah! Vous savez ce que c'est ça, hein? Vous savez ce que c'est ça, hein? C'est Shun et XP à gogo. Est-ce que ce joyau est vivant? Ouh, viens là, toi. Ouh, viens là tout de suite, toi. C'est un démon trésor. Vite, attrapez-le. Alors, je veux bien, mais... C'est peut-être le feu? C'est pas le feu. Je sais pas ce que c'est, du coup. Ah, c'est la glace. Fuck, j'ai personne pour faire de la glace. Non! La tristesse. Non, j'ai personne pour faire de la glace. Non. Attendez, on va technique du coup, c'est pas grave. On va prendre Alou. J'ai pas de glace. On prend Alou, on va le débuffer. Et ça veut pas. Il veut pas. Hein. Ah mais il y a de la glace là, je suis mongol, mais je suis con. Pourquoi je suis un gros mongol? Showtime, tu sais ça? Bon bah au revoir. Pourquoi je suis un gros mongol? Je crois qu'il est mort là. C'est tout? C'est pas beaucoup? Qu'est-ce que c'était? C'est un type d'ombre assez rare qu'on rencontre parfois dans le métavers. On les appelle les démons du trésor, on obtient de très bonnes récompenses en les battant. Ouais, 300 XP, ouais. Bah, je ferai en sorte de m'en souvenir, les démons du trésor. Alors si nous en voyons d'autres, il faudrait tenter de les vaincre comme celui-ci. Voilà, mais ils peuvent vite s'enfuir, alors faut pas traîner. Je pense que... les démons du trésor apparaissent plus souvent au fil de votre exploration et des combats, aussi les niveaux de sécurité restent élevés. Ah. Ah. Augmente vos chances de rencontrer. Ah, ok. Bon. Peut-être que. Aïe, 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 aïe. Ouais, non, oui, d'accord. Ouais, non, non, non. Alors, il faut que je vous parle de ce truc-là. Tu parles de l'ombre qui balance l'étincelle là-bas. C'est vrai que ça sent la raclée. Impossible de savoir ce qu'elle en est capable. Ne foncez pas tête baissée. Alors, faut que je vous explique ce truc. Dans tous les niveaux du jeu, 4-5, je crois, il y a une ombre comme ça, en mode Super Saiyan. Ne tentez pas. Rien que dans le donjon d'Alice, j'ai essayé de la tenter plusieurs fois. Hein, il y a des membres du Discord qui le savent, vu que j'essaie en live sur Discord sur la version Jap. Le premier, j'ai réussi à le battre que vers le level genre 50-55. Tellement il était hardcore, et vraiment hardcore. Par contre, il donne des récompenses de fou furieux, genre vraiment de fou furieux, des accessoires, des trucs de fou. Et en New Game Plus. Excusez-moi, il y a une game plus. En une game plus, si vous les battez, ils donnent les armes ultimes pour chacun des personnages. Donc oui, dites-vous que c'est très compliqué, on va pas se mentir. Pas entrer, je vois pas de serrure. Fouillons un peu le coin, il y a peut-être une autre entrée. Ok. Bah, la seule entrée que je vois, c'est la petite flèche là derrière, donc c'est vrai que je monte par ici, c'est ça. Mais attends, ils ont level up, non? Moi je parle, mais ils ont level up, je crois. Bon, déjà, ce qu'on va faire, c'est ça, hein, parce que nous on veut ça. Voilà, très bien. Il faudrait monter le niveau aussi, du coup, de sécurité.
Alors ouais, ils sont tous 16 là pour le coup. Bah attends, il y en a qui n'ont pas combattu, pourquoi ils sont 16? Mais ils gagnent quand même de l'XP ceux qui combattent pas, depuis quand? Nouveau ça. Bref, ok. Je pense que Sophia peut remplacer plus ou moins Makoto. Ouais, on va dire ça, allez. Ah, bah ça, on va tout changer, attendez, je suis con. Hop, Ryuji, Morgana, du coup, ça sert. On va faire comme ça, voilà. Là, on est très bien, c'est bien. Alors, l'embuscade, par contre, faut vraiment être collé au cul hein, pour la faire. Hein. Ah bah ils sont morts, ok. C'est pas de ma faute. Ah c'est pas de ma faute. Si c'est un peu de ma faute quand même, c'est simplement qui les a tués donc. Alors le petit épée qui met bien. La bagarre. Par contre je pourrais pas les engager ceux-là. Hein. Bah non je peux pas. Mais qui luc, voilà, comme d'hab quoi. Hop. Oh il y a bientôt le showtime là. Ah viens à toi. Arcelu. Plus de balles. On va varier ça. Attendez, j'arrive pas à la cibler. Voilà. Ouh putain oui. Fais du vent. Fais du vent. Fais du vent. Fais du vent. Mais... Aïe, 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 aïe. Elle meurt pas. Oh, attendez. Invoque Goemon et lance Suku Kaja. Ah, un peu plusieurs fois sur Y pour lancer ma seconde. Ouh. Ok, attendez, on va essayer. J'ai pas le temps d'essayer. Est-ce que ça marche vraiment ça? Et laissez-moi tester, bordel! Média, ok. Ah, ouais, bien! Ah, ouais, ça l'a fait pour tout le monde, quoi! Ouh! Mais vous êtes cheaté, monsieur Fox! Attendez, ce combo il existe avec tout le monde? Mais. Mais c'est nul. Enfin, sur certains persos, c'est nul, quoi. Testez les autres, quand même. Ah, ok. D'accord, ok. Ok, pas mal. Bon, peut-être me soigner un peu, quand même, non? Peut-être. VPV, 30 PV, bon allez hop. 30 en bento, ouais, c'est bon. Attendez. J'entends un trésor. J'entends un trésor, il est forcément là-haut. Quoi? Je peux pas aller là-haut. Ah ah! Les petits malins. Ok. La génération, ça peut servir sur des gros personnages à tank, éventuellement. Alors j'hésite à monter le niveau de sécurité finalement. Un tout petit peu au moins. Encore un peu. Ah mais elles disparaissent carrément. Allez. Voilà. Je fais ça, c'est pour les trésors. Hein. Vous doutez bien que je fais pas ça au hasard. Quoi.
Ah bah oui, mais du coup, je peux pas prendre le trésor. Ah, ah, je me déteste. Bon bah tant pis, on laisse le trésor. Je vais monter le niveau de sécurité pour faire apparaître les démons trésors en fait. Bon allez, c'est bon, on chope l'orbe. Qu'est-ce que vous faites là? C'est chien qui a parlé? On dirait bien. Alors si j'ai pas de bêtises, normalement on peut monter sur le lustre et le faire tomber. Voilà. Ouah. Oh là là. Qu'est-ce qu'est le boss quoi. Oh là là. Oh là. Oh mais jusqu'à trop fort hein, genre juste trop fort quoi. Ok, on va continuer. Il en buff tout le monde. Ouais. Level up. Hein. Tu m'étonnes. Faut que j'aille où du coup là en fait. Vous êtes gentils les gars mais... Ok, faut que j'aille là. Bon, j'aurais pu me TP hein. J'aurais pu me TP effectivement, mais bon, flemme. C'était le bouffon ce qu'elle. Chef d'entreprise, mais il n'y a pas chef d'entreprise là-dedans. Aïe aïe aïe. Nickel, on va pouvoir récupérer le premier. Comment ils appellent déjà? Le noyau, voilà. Premier noyau. Oh, bonjour mademoiselle. Je vous félicite d'être arrivé jusqu'ici, héros de la prophétie. Elle sort d'où elle? Parc, elle fait partie des quatre redoutables. Bravo, je suis bien l'un des quatre redoutables services du prince des cauchemars. Je m'appelle Ante. Ante, Ante? Si c'est une preuve que vous cherchez, va d'abord falloir me vaincre. Mais je préfère vous prévenir, ça ne sera pas aussi facile qu'avec Doma. Hein? Qui ça? C'est le type là qu'on écrasait tout à l'heure là. Je vais vous relever un petit secret. Doma était le plus faible des quatre redoutables. Ma puissance est bien supérieure, vous n'irez pas plus loin. Ouais, c'est ça, vous connaissez la chanson, ouais. Bon, on n'a pas le choix, il va falloir qu'on s'occupe d'elle. Tu fais pas le poids contre nous, comme il rentre dans le jeu, Joker. Mais bientôt, t'inquiète. Je vous attends. Ok, alors, bah, elle fait belle la glace, donc ça... Hop, ça c'est cadeau. Peut-être pas aussi loin, Fox, hein. Attendez, je vais d'abord buffer tout le monde. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il buffe les gens quoi. Voilà. Oh là là. Oh là là, Fox il vénère. Aïe!
Ah bah merde, ah bah Fox a disparu. Fais chier. Oui, je l'ai pas vu venir, ouais, t'as raison, ouais, clairement. Il a vraiment pas vu venir celle-là. Allez, mange-toi, Yusuke. C'est tout. Prends quand même bien tarif. Hein. À niveau défense, ça c'est pas top. Hein. C'est bon, tout le monde est buffé, parfait. Fox là. Mais Fox arrête de me taper. Bah quand même. Ça a été relou. Hein. On va jamais XP Arsène comme ça, hein, genre. À chaque fois que j'essaie d'XP Arsène, il sert à rien. Quoi. Bon. Pardon, un truc sentimental classique, j'avoue que c'est tellement cliché. Quoi. Et 2-1. C'est son livre, évidemment. Bah, c'est la preuve dont on a besoin. Je crois bien, mais bon, c'est... Prince of Nightmare, le roman d'Ango Natsume. Encore ce livre, pourquoi on aurait besoin de ça? Vous pensez que c'est l'un des noyaux de la prison? Ma Shibuya, tu veux dire? Ouais, probablement, ouais. Ce sont la source des pouvoirs des monarques. A priori, les noyaux et les donjons font partie des choses que les prisons ont en commun. Il nous manque de preuves, donc il va falloir trouver encore deux donjons. Fox, t'as des infos là-dedans? D'après le roman, les autres tours sont quelque part au-delà des terres pluvieuses. Dans ce cas, il va falloir qu'on retourne à cet endroit où il pleut. Bon, entendu, allez en route. Ouais, un petit coup des 60 fantômes là. Hop. Pour ceux qui ont la ref. Les boomers du coup. Mais c'est quoi cette embuscade ratée là? Au revoir. Ah. D'un coup, ils sont beaucoup là. Tellement de coups critiques, c'est insane. Regardez le nombre de coups critiques, c'est incroyable. Ok, bon. Du coup, faut qu'on se barre, quoi. Je sais pas où, mais faut qu'on se barre, quoi. Y'a pas un TP là-bas? Pas du pont-levis? De l'autre côté, du coup, quoi. Et il pleuvait là-bas, du coup. C'est toujours là-bas. Là, on revient juste au début, en fait.
ou pas. Oh, la porte vient de s'ouvrir sans raison. Peut-être car nous avons prouvé que nous étions dignes de passer. C'est quoi ça? On dirait une sorte de lumière. C'est vrai qu'on n'a pas trop le choix. Au moins de faire la bagarre de ce côté déjà là. Ouh, ça va être long là. Ça va être un peu long. Vous savez quoi, on va se laisser ici parce que ça fait une demi-heure et que maintenant ben on va faire des vidéos d'une demi-heure comme ça. C'est plus facile, vous connaissez la chanson, c'est plus facile pour que YouTube puisse faire son encodage à côté, parce que sinon ça prend 15 ans, et après c'est pas beau, et après je vais m'énerver, et après je vais pleurer, et puis après je. Voilà. Donc on va s'arrêter là et vous aurez la suite de toute façon dans le prochain épisode, hein, parce que. Ça sert un peu à ça, un let's play à la base. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres. Et amusez-vous bien. Ciao, ciao.